Ah là là! Alors, c'est pas mal. Les terminales ont encore un peu de voix. Alors, on va vivre un temps ensemble. Ils sont chauds. Mais j'ai un petit problème. C'est que l'espace est très grand et que vous êtes des deux côtés. Donc, on va faire un deuxième mouvement. Là encore, en suivant les mouvements des suites blancs. Et tous ceux qui sont du côté du phare, le pharaon, vont passer par là-bas. Et vont arriver de l'autre côté. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont de ce côté-là, vous allez vous resserrer sur cette moitié ici, en vous répartissant, s'il vous plaît, dans le premier triangle ici. J'ai qui là, comme diocèse? Alors, ici, on va avoir 93 et 94. Dans le deuxième, là-bas, 77 et 92. Vous êtes tous là? Yes. Donc, premier, 93-94. Deuxième, 77 et 94. Et pendant ce temps-là, on chante. Okay. Alors, les terminales, on sent que vous êtes chaud, 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 bouillant. Profitez-en parce que c'est le seul moment du frat dans cette basilique où vous pourrez être debout. Alors, quand la musique va décoller, dansez, mais dansez de toutes vos forces, ok? Est-ce que vous êtes chaud, les terminales? Allez, on bat des mains, on commence par battre des mains pour notre Dieu. On va chanter combien son nom est grand, combien son nom est notre rock, notre force. Hey, on y va! Éternel, tu es mon chant, mon refuge, tu es l'ombre, où je m'étends, et la brise qui m'apaise. Comme un rocher, élevez vos voix. Comme un rocher dans la tempête, à tes pieds les vagues s'arrêtent, comme une étoile brise la nuit. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Et mon cœur chantera l'éternel, le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Devant toi, mes ennemis chancèlent. Oui, mon cœur. Oui, mon cœur. Est-ce que vous êtes prêts à danser de toutes vos forces pour notre Dieu? Éternel, tu es ma force, ma lumière en tout saint. Près de moi, avant l'aurore, jusqu'au soir, comme un rocher, dans la tempête. Les vagues s'arrêtent comme une étoile brise la nuit. Tu guides ma vie avec toute vos voix. Et mon cœur chantera l'éternel, le Dieu de ma joie, Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, devant toi, mes ennemis chancèlent. Oui, mon cœur. Qu'il advienne, je ne craindrai rien. Ainsi mon âme, demeure. J'élève ma voix, On veut vous entendre les terminales. Et mon cœur chantera l'éternel, le Dieu de ma joie. Dieu
Je serai. Il est bon pour moi, de tout votre cœur, devant toi, mes ennemis chanteurs. Oui mon cœur, chanteur à l'éternel. Laissez éclater la joie. Mon cœur chanteur à l'éternel. Dernière fois, et mon cœur chantera l'éternel, le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie, je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, devant toi, mes ailes, mes chansons. Oui, mon cœur chantera l'éternel. Merci Be Witness de nous faire chanter, de nous faire louer le Seigneur. Alors j'ai une petite question, maintenant qu'on est quasiment tous du même côté, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui ne serait pas en terminale? Ok, ça c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a quelques animateurs, bonne réponse. Toi tu n'es pas en terminale? Non, depuis... Ah, okay. Depuis quelques années. Alors, vous installez. En fait, on va pas mal se déplacer. Donc, tous ceux qui ont un sac à dos, va falloir le laisser sur le dos parce qu'on va avancer, on va reculer, on va bouger. Et donc, les derniers qui sont là, vous pouvez vous arrêter. Non, c'est bien d'aller remplir la zone. Et en fait, on va se mettre dans le fond de la zone. Donc, il faut reculer d'une quinzaine de pas tranquillement, chacun au fond de la zone dans laquelle il est. Donc, vous reculez vers la capitainerie, vous reculez vers là. Et on y va. On recule. Et on va peut-être reprendre un petit chant en attendant. Alors, on recule. C'est un chant qui est tout simple, qui fait comme ça. Pour toi, nos vies se lèvent, Dieu créateur, sur la terre comme au ciel, tu es Seigneur. On essaye ensemble. Pour toi, nos vies se lèvent, Dieu créateur, sur la terre comme au ciel, tu es Seigneur. Encore une fois, pour toi nos vies se lèvent, Dieu créateur, sur la terre comme au ciel, tu es Seigneur. La suite des paroles, ça fait. Tu as fait des merveilles au-delà de nos peurs. On essaye ensemble. Tu as fait des merveilles au-delà de nos peurs. Encore une fois. Tu as fait des merveilles au-delà de nos peurs. Et la fin, c'est ton royaume est déjà dans nos cœurs. Ton royaume est déjà dans nos cœurs. On essaye. Ton royaume est déjà dans nos cœurs. Pour toi, nos vies se lèvent, Dieu créateur, sur la terre comme au ciel, tu es Seigneur. Tu as fait des merveilles. Tu as fait des merveilles au-delà de nos peurs. Ton royaume. Ton royaume est déjà dans nos cœurs. Ok, vous voilà tous en place, et ça c'est bien. On va pouvoir commencer ce temps? Yes. Alors, merci d'être resté, merci d'être là. Et on va essayer de vivre ensemble un petit temps de réflexion sur l'engagement. L'engagement parce que vous êtes en terminale et que cette question vous concerne plus particulièrement. L'engagement parce que nombre d'entre vous êtes déjà engagés, que vous vivez des engagements au quotidien. L'engagement parce que vous allez vous lancer dans des études supérieures, dans des choix divers, plein de parcours possibles parmi nous, et se pose de manière plus particulière la question de l'engagement. Alors, on va vivre un petit temps ensemble, mais on va le vivre un peu debout parce que... Ah, le saviez-vous?
Et ouais, ça c'est classe. Ça, c'est une belle information. Alors, on va commencer par se mettre un peu en jambes, en restant quand même dans le calme relatif. Alors, il va falloir éclairer un petit peu quand même le public pour voir ceux qui s'avancent. Je vais vous poser des questions. Et si vous vous sentez concerné par cette question, vous allez vous avancer de quelques pas. Donc, ça va faire une petite cohue. Ce qui veut dire qu'on va essayer de garder le silence. OK ? Est-ce que, Thomas, tu arrives à éclairer davantage nos terminales ? Parce qu'ils sont beaux, il faut qu'on puisse les contempler. Alors, on va dire que non. Yes ! Il sait tout faire. Il est incroyable. Donc, première question, qui est toujours en retard ? OK, ça avance un peu. Deuxième question. Attention, on est concentré. Qui est mauvais joueur ? Oh là là, il y a même des suites bleues qui s'avancent. Jason. Oh non. Mama. Aïe, aïe, aïe. Même dans l'équipe du Frat, il y a des mauvais joueurs. Alors, on retourne à sa place. On recule de trois pas. Qui a déjà vu une étoile filante ? OK. Qui a déjà eu, attention, petite question qui nous rappelle que... Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Alors, on s'avance ou pas ? Qui a déjà fait tomber son téléphone dans les toilettes ? Alors, faut pas hésiter à avancer un peu plus. On retourne à sa place. Faut que ça bouge. On va avancer plus que de trois pas, sinon il y en a, je ne vois pas qu'ils ont avancé, qu'ils ont triché, qu'ils sont mauvais joueurs ou qu'ils ont perdu leur dernier iPhone. Qui a déjà eu des heures de colle ? Oh là 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 là. Alors la bonne nouvelle, ah, il y en a qui en ont eu beaucoup, dis donc. Ah ouais, OK. Est-ce que... Alors on peut retourner à sa place. Est-ce qu'il y a des timides ? Et demander aux timides de s'avancer, c'est pas sympa. OK, ça s'avance moins que sur les heures de colle. Alors attention, question très compliquée. Qui n'a pas réussi à dormir dans le train en venant à Lourdes ? OK. Alors, on reste sur les moquettes. On reste sur les moquettes. OK. Alors là, visiblement, ça n'a pas bien dormi quand même. OK, on peut regagner le fond. Qui perd toujours ses affaires ? OK. Attention, on va accélérer maintenant les questions. On retourne à sa place. Question 9. Est-ce que vous êtes prêts ? OK. On va essayer de faire, si vous êtes balèzes, les suivantes. On se déplace en silence. Ça fait un effet de dingue dans Saint-Pédis. Vous êtes prêts à essayer ou pas ? OK. Alors fais gaffe, Père Grégoire, si tu passes devant au moment où ils avancent, tu vas te faire broyer. Qui connaît par cœur les chansons d'Aldebert ? Alors moi, je ne savais même pas qui c'était.
C'est pas moi qui ai choisi. Ah, il y en a un. Ouais, bravo. En fait, c'est un peu le Henri Dess d'aujourd'hui, quoi. Mm-mm. Attention, question suivante. Qui reste des heures au téléphone avec ses amis? Ok, pas trop. Attention, on retourne à sa place. Alors là, j'ai mis des appareils photo pour voir qui répond oui, qui répond non à cette question. Attention, qui est allé à la messe pour Pâques? Ok, super. On retourne à sa place. Bravo, Christ est ressuscité. Attention, question suivante. Les deux dernières, on les fait. Les deux dernières, on les fait dans le silence. Ok. Qui aime donner plutôt que recevoir. Ok, bravo. Vous pouvez retourner à votre place. Et dernière question. Qui parmi vous s'est déjà engagé bénévolement? Ok, il y a du monde. Alors, on va avancer d'un pas. Alors, non, d'un pas dans notre réflexion, mais vous allez retourner encore une fois à votre place. Vous avez bien compris le principe. Et maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Et donc, on est concentré. C'est des questions doubles. Ça veut dire, première question, je me sens concerné, j'avance. Deuxième question qui est en rapport avec la première, soit je reste sur place si je suis aussi concerné, voire j'avance encore un petit peu. Si je ne suis pas concerné par la deuxième, je retourne à ma place. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Il y en a qui n'ont pas compris? Eh bien, ce n'est pas grave. C'est le même tarif. Première question. Donc, s'avancent ceux qui se sentent concernés. Qui sait jouer bien d'un instrument de musique? Alors avancez-vous bien les musiciens là, qu'on vous voit. Ok. Deuxième question. Chut. Donc on ne bouge pas. Tous ceux qui sont avancés, qui font un instrument de musique, si vous vous sentez concerné, si c'est oui à la deuxième question, vous réavancez encore d'un pas. Sinon, vous retournez à votre place. Première question, qui sait jouer d'un instrument? Deuxième, qui a déjà animé avec cet instrument les chants à la messe? Et je vous demande de les applaudir. Ok, vous avez compris le principe, on retourne à sa place, bravo les musiciens, c'est précieux, un jour peut-être vous serez à la place de Pauline Clément et compagnie de Be Witness. Donc formez-vous, faites de la musique, animez des louanges, vous avez raison. Deuxième question. Deuxième question, qui parmi vous aime cuisiner? Il y en a plus que pour la musique, c'est désespérant.
Alors, attention, deuxième question. Deuxième question. Ceux qui se sentent concernés font un pas de plus. Ceux qui ne se sentent pas concernés retournent à leur place. La première question était « Qui aime cuisiner ?» La deuxième, « Qui prend le temps de cuisiner pour sa famille et ses amis ?» On va avancer plus vite. Ok, bravo. On peut les applaudir et on retourne à sa place. Alors, on me dit dans l'oreillette que vous mettez trop de temps à vous déplacer. Du coup, on est déjà en retard. Du coup, on va essayer vraiment de garder le silence quand on se déplace. Comme ça, moi, je peux enchaîner les questions. D'accord ? Donc, première question, clac, il y en a qui s'avancent. En silence, je pose la deuxième, tac, on s'avance. On les applaudit et on passe à la suivante. C'est clair, je compte sur vous ? Ok, c'est parti. Troisième question, donc. Qui fait le tri de ses vêtements ? Non, il y en a qui ne comprennent pas la règle. Du silence. Et qui prend le temps d'aller les donner? Ok, on les applaudit, bravo. Et on retourne à sa place. Alors, question plus personnelle. Et donc, on va vraiment rester en silence. Qui a une personne malade dans son entourage? Et qui prend le temps d'aider cette personne au quotidien? On peut les applaudir. Alors, question suivante. Qui parmi vous a des petits frères et des petites sœurs? Ok, ça fait du monde. Et qui parmi vous prend le temps de jouer avec eux plutôt que de zoner tout seul enfermé dans votre chambre sur Instagram? Ça, c'est bien. On peut les applaudir. Voilà, on va avancer un peu. On va en passer une ou deux. Je vais vous poser la dernière question. Qui en a marre de ce jeu ? Ah, pas trop. Alors, on va continuer ce temps. Je vous invite, en restant sur les moquettes, à réavancer et à vous asseoir. Bravo. Alors, vous voyez les amis, ces petites questions peuvent avoir l'air anodines sur le quotidien, sur ce qu'on vit chacun chez soi. Mais en fait, elles nous permettent déjà de constater une chose très importante. Alors, on laisse les derniers s'asseoir au fond, là où vous êtes. Normalement, à 1000 ou 1500, il y a de la place pour tout le monde. Alors, on s'assoit au fond. Et donc, vous voyez, la question de l'engagement, en fait, elle peut faire peur, en se disant « j'ai peur de m'engager, j'ai peur de ceci, cela », mais en fait, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà engagés.
Vous faites des choix qui vous engagent et des engagements auxquels vous cherchez à être fidèles. Vous êtes nombreux, vous voyez, à aider, à servir, à chercher à faire le bien, à vous donner. Et certains même sont très engagés, ce qu'on va essayer de voir au cours de notre petit temps. Et voilà. Je suis désolé, mesdemoiselles. Désolé, mesdemoiselles, il est déjà marié. Ah là là. Mais vous voyez, on parle de l'engagement. Ben voilà un très bel engagement dans lequel il s'est engagé pour toujours. Voilà. Et un autre engagement qu'il avait pris, auquel il a été fidèle, c'était de venir animer le frat. Ce qui n'était pas évident parce que... Attendez. Ça, c'est normal. En fait, on demande à des musiciens de venir, ils viennent. Bon. Mais il y a eu un petit changement juste avant le frat, puisque 3 jours avant le frat, il a eu un troisième enfant, une petite Pia qui est née. Alors du coup, comme on l'a avec nous, eh ben, on va le faire chanter. Une grâce après l'autre. Vous êtes prêts à chanter ou pas? Merci Philippe, merci à tous. Est-ce que vous êtes prêts les terminales? Quand je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus. Car il y a plus en toi, Jésus, toute la grâce qu'il me faut. Toute la grâce qu'il me faut. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Aucun détail ne t'échappe. Et mon cœur n'est pas trop petit pour que ton amour s'y installe. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Bonjour. Vers de nouveaux sommets. Vers de nouveaux sommets. Au contact de ton amour, mon cœur change à tout jamais. Ta faveur imméritée avec vous occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se met à moi. Une grâce après l'autre. Parmi les terminales aujourd'hui, ok, je vous entends chanter. Tu n'en as pas fini avec moi. Avec vous. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant. On veut vous entendre. Une grâce après l'autre. Plus fort. Hey, yeah. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. 1, 2, 3, 4. Tout le monde. Une grâce après l'autre.
Amen. Vous avez déjà reçu des grâces, vous, ou pas? Ah, beaucoup. Yes. Beaucoup, beaucoup. Alors, revenons à notre question de l'engagement. Parmi vous, certains sont déjà très engagés. Pour trouver certains parmi vous, je vais vous poser des petites questions. Si vous vous sentez concerné, vous vous levez. A priori, sur la première, il n'y en a pas trop qui vont se lever. Vous inquiétez pas, restez confortablement assis, mais on ne sait jamais. Question. Qui a déjà eu entre les mains les sujets du bac avant tout le monde? Ah ouais, j'en ai une qui se lève direct. Alors, viens. Alors, en bleu là-bas, rejoins-nous. Ok, il y en a qui trichent, hein, dis donc. Alors, je ne sais pas s'il faut être fier de toi. Donc, comment t'appelles-tu? Ah, c'est le micro numéro 1. Comment t'appelles-tu? Et je m'appelle Clarisse. Tu t'appelles Clarisse. Bonjour Clarisse. Ok. Et alors, Clarisse, comment ça se fait que tu aies eu les sujets du bac avant tout le monde entre les mains? Parce que je m'occupe de la direction d'un lycée. Ah. Ok, on reste concentré et on reste en silence, s'il vous plaît. Ça va être une question double. Si vous vous sentez concerné à la première, vous vous levez. Si vous vous sentez concerné à la deuxième aussi, vous restez debout. Qui parmi vous part au JMJ de Lisbonne pour voir le pape François? Oh là là, il y en a qui se lèvent. Ok. Qui parmi vous est engagé dans la préparation de ce pèlerinage pour son diocèse? Ah, il y en a encore un certain nombre. Alors, en Bordeaux, là, tu m'as l'air joyeux et guilleré. Viens donc par ici. Ok. Allez, on peut l'applaudir. C'est le micro 2 que tu as à la main. Alors, bonjour, bonjour. Quel est ton prénom? Alexis. Alexis, super. On va reparler de toi. Troisième question. Qui parmi vous a été formé, a reçu une formation spécifique pour apprendre à asseoir 4 personnes dans 1 mètre carré? Ah ouais, ah ça y est, ils ont compris. Bon bah t'as été la plus vive, la plus rapide à comprendre. Les suites blancs, eh oui. On te confie un micro, c'est le micro numéro 3, tu en prends soin. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lucie. Bienvenue Lucie. Et donc, tu portes ton engagement sur toi, visiblement, puisque tu es... Sweet Blanc. Bravo. Clarisse, tu es passée un petit peu vite, donc tu es responsable dans un établissement, dans un lycée. Ça ne nous dit pas en quoi tu es engagée. Quel est ton engagement? En fait, je suis bénévole dans une association qui accompagne les jeunes issus des quartiers, notamment sur le soutien scolaire. Merci, on peut l'applaudir. Alexis, donc tu viens du 78, vu ton suite, c'est ça? Exactement. Ah. Le diocèse de Versailles. Ok. Et alors, quel est ton engagement? Je suis en charge des groupes JMJ sur tout le diocèse de Versailles pour la préparation. D'accord. C'est ton métier? Tu fais ça à temps plein pour toujours? Oui, je suis en année de césure, donc j'ai pris une année pour m'occuper de ça. Donc tu es étudiant. Exactement. Et tu as pris du temps pour t'engager pour ton diocèse. Très bien résumé. Ok, bravo. Et notre amie Lucie, quel est ton engagement du coup? Donc je suis Sweet Blanc, donc les Sweet Blancs c'est une partie de l'équipe d'animation. Nos rôles sont divers, mais ça peut être résumé par notre devise qui est de sourire, orienter et servir. Alors retourne-toi. Vous l'avez vu, le SOS? Yes. Clarisse, du coup, en un mot, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager? Pourquoi tu t'es engagée dans le soutien scolaire?
Parce que j'avais un petit peu de temps et que l'éducation, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Et je sais que la transmission peut être très riche. Du coup, ça m'a motivée à m'engager. Merci. Alexis, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager ? Moi, c'est un cadre un peu particulier, puisque peut-être comme certains d'entre vous, je ne viens pas du tout d'une famille croyante et pratiquante. Et j'ai eu la chance de recevoir une très grande grâce de la part du Seigneur quand j'avais votre âge, à la fin de la terminale, avant de rejoindre les études supérieures. Et le Seigneur, j'ai vraiment ressenti ça comme un appel à l'engagement et au service. Et j'espère que vous vivrez le même. Merci. Et Lucie, qu'est-ce qui t'a poussée à rejoindre les Sweet Blancs ? Donc moi, c'était en 2016. J'étais étudiante en troisième année de médecine. J'avais un peu de temps libre et donc je voulais me mettre au service. Donc j'étais en quête d'un service. Pour moi, les Sweet Blancs, c'était des gens qui nous serraient coûte que goutte, qui râlaient quand il y avait un petit bout de pied qui dépassait par rapport à la zone délimitée. Et pourtant, j'ai postulé certainement pour rendre le service qui m'avait permis de vivre le frat en tant que jeune. Merci. C'est beau, tous ces engagements. Et alors, du coup, on revient à toi, Clarisse. Qu'est-ce que ça t'apporte de vivre cet engagement semaine après semaine ? Eh bien, c'est très sympa. En fait, j'ai découvert du coup une jeune qui s'appelle Aya, qui est en troisième cette année. Donc, c'est la deuxième année que je la suis en soutien scolaire. Je suis sa marraine, on marche par binôme. Et c'est hyper intéressant parce que Aya, elle peut me partager un peu son quotidien. On construit aussi une relation de confiance. En gros, on se voit une heure et demie toutes les semaines. Donc, on fait les devoirs, mais aussi on papote un peu. Et Aya est musulmane et croyante. Et du coup, on s'est énormément retrouvés sur nos parcours de foi. En fait, on arrive vraiment à échanger là-dessus. Et du coup, c'est hyper enrichissant pour elle et pour moi. Merci. Et Alexis, qu'est-ce que cet engagement, donc à temps plein, pour le coup, en ce moment, t'apporte ? Je dirais surtout la confiance et puis la joie de voir plein de jeunes, et vous en faites sûrement partie, qui se mettent à suivre du Christ, et surtout la joie de voir les petits miracles qu'il peut faire dans votre quotidien, et ce chemin de sainteté qu'il vous montre. Et la confiance, tu as dit la confiance et la joie, mais c'est quoi la confiance ? La confiance dans le Seigneur pour se mettre à sa suite, et ne surtout pas avoir peur, parce que c'est le thème apparemment. Amen. Et Lucie, qu'est-ce que cet engagement de Sweet Blanc t'apporte ? Il m'apporte bien plus que je ne le pensais, en particulier plein de rencontres, des copains, des amis que je retrouve chaque année au frat, mais aussi en soirée ou pendant des week-ends. J'ai aussi rencontré celui qui est mon confident, mon soutien, celui qui partage vraiment profondément les mêmes valeurs que moi et qui va devenir mon mari devant Dieu dans 2 mois. Et enfin, j'ai rencontré aussi à nouveau le Seigneur, notamment lors de la veillée de louange en 2016. Et je me suis préparée, j'ai reçu le sacrement de la confirmation en septembre 2020. Amen. Voilà, donc vous voyez, les engagements, le fait de s'engager, dispose les cœurs à vivre des choses belles et en fait permet au Seigneur de venir travailler en nous. Clarisse, là, comme ça, pour conclure, une petite anecdote, quelque chose qui s'est passé dans ton engagement. Il y a 2 choses qui me viennent en tête. La première, c'est que la chance d'accompagner une jeune musulmane, c'est que sa maman me fait plein de pâtisseries orientales pendant le ramadan, donc c'est super. Et la deuxième chose, on a eu la chance d'avoir la privatisation de l'Institut du monde arabe avec des visites privées pour nous. Donc ça a été une grande chance de pouvoir visiter ça. Voilà. Petit moment sympa. Alexis, un petit moment particulier. Alors moi, j'en ai pas vraiment parce que les GMJ n'ont pas encore eu lieu, mais le Seigneur m'a donné vraiment de vivre ça comme un temps de patience et d'attente. Et je sais que c'est dur quand on est jeune d'éprouver ça, mais c'est aussi là qu'il vient habiter et qu'il vient nous parler. Mais plein de beaux moments que j'ai en tête, et puis une grosse dédicace du coup au diocèse de Versailles. Voilà. Bon, Clarisse, tu as le droit de faire un petit message à ton diocèse aussi, hein, parce que si c'est alors, à Versailles aussi. Le Val-de-Marne et ADM, on est là. Okay. Voilà. Et Lucie, une petite anecdote. Donc vraiment, il y a énormément d'anecdotes, tellement le frat est unique. Mais notamment quand vous venez à Jeanville, vous arrivez en une seule soirée dans une centaine de bus. Il y a des milliers de sacs à décharger. Et tout ce que je garde, c'est vraiment tous vos sourires, vos joies de vivre. Alors j'ai un message, c'est un grand merci et engagez-vous. Et voilà.
Il n'y a pas mieux à dire. Alors on peut les applaudir. Et surtout, on comprend que par ces trois témoignages, vous voyez trois profils très différents, chacun son parcours de vie. L'engagement est accessible, les engagements sont multiples et à chacun de trouver un engagement qui lui correspond. Merci pour vos témoignages et en vous raccompagnant, nous allons chanter. Et me voici en vérité, le cœur ouvert à toi. Tu me désires tel que je suis déjà. Tu vois ma vie. Tu vois ma vie en vérité, mes douleurs et mes joies. Mais Dieu me voici, je m'abandonne à toi. Encore une fois, et me voici avec vous. Et me voici en vérité, le cœur ouvert à toi. Tu me désires tel que je suis déjà. Tu vois ma vie, tu vois ma vie en vérité, mes douleurs et mes joies. Dieu me voici, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Chantons, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Oh, 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 je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Chantons tout le monde comme une déclaration. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je n'ai pas Seigneur. On y va. Je n'ai pas Seigneur de discours à t'offrir. Je n'ai que mon cœur loin de toi. Voici mes faiblesses. Voici mes faiblesses. Voici mes échecs. Je n'ai rien que ton amour pour moi. Élevons nos voix vers notre Dieu. Et me voici en vérité, le cœur ouvert à toi. Tu me désires. Tu me désires tel que je suis déjà. Tu vois ma vie, tu vois ma vie en vérité, mes douleurs et mes joies. Dieu me voici, je m'abandonne à toi. Tout ce que tu cherches, avec vous. Tout ce que tu cherches, c'est toucher mon cœur. Lorsqu'enfin, lorsqu'enfin je laisse couler mes pleurs. Le passé. Le passé est passé. Ta grâce m'a trouvé. Je viens devant toi pour t'adorer. Il faut nous voir. Et me voici en vérité, le cœur ouvert à toi. Tu me désires tel que je suis déjà. Tu vois ma vie, tu vois ma vie en vérité, mes douleurs. Cœur ouvert à toi, tu me désires tel que je suis déjà. Tu vois ma vie, tu vois ma vie en vérité, mes douleurs et mes joies. Dieu me voici, je m'abandonne à toi. Ensemble, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Alors on a vu des engagements,
des personnes qui se sont engagées. La question qui nous intéresse aujourd'hui dans ce temps des terminales, c'est pas de savoir que certains un peu plus âgés que vous se sont engagés, c'est surtout de savoir quel va être votre engagement à vous. Comment est-ce que vous allez avancer dans cette capacité à vous donner? Vous voyez, quand on a fait les petites questions au début, on a vu que, en fait, déjà, nombre d'entre vous, par les circonstances de la vie, par vos goûts personnels, par les talents que vous avez, eh bien, vous êtes engagés. Mais l'engagement est tellement important parce que je choisis ce que je vis et je choisis de me donner. Et c'est ça qui va me rendre heureux, et ça seulement. C'est tellement important que ça vaut le coup de s'interroger. Vous voyez, se dire, je ne vais pas juste me laisser porter, et puis bah, si on me sollicite, ou si je ne sais pas, on verra. Non, en fait, qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur? Quels sont mes talents? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je vais me donner? Alors pour répondre à cette question, en tout cas pour réfléchir ensemble, je vais appeler un ami qui est parmi vous, le père Cyril Janssen. Et vous pouvez lui faire un tonnerre d'applaudissements. Ouais, c'est un peu mou quand même. Hein. Quand je dis tonnerre d'applaudissements, c'est tonnerre d'applaudissements. Ouais, voilà. Merci. Alors, je dis un ami parce que, effectivement, on était au séminaire ensemble. Le séminaire, c'est le lieu où on se forme pour devenir prêtre. Bienvenue Cyril, donc je t'ai pas fait venir juste parce que t'es un copain quoi, que fais-tu dans la vie? Donc je suis prêtre et je m'occupe de la messie. La messie, c'est la mission étudiante catholique d'Île-de-France. Ouais, ils l'ont, ouais, mais non, messie, ouais, c'est bien, bravo. Voilà, Mission étudiante catholique d'Île-de-France, c'est une association qui est au service de tous les étudiants d'Île-de-France pour les aider déjà à grandir dans leur amitié avec le Christ. Je me souviens quand j'étais en terminale, j'ai fait le frat et puis ensuite je me suis dit mais comment je vais faire pour faire en sorte que ce feu que j'ai reçu ne disparaisse pas, n'ait pas l'effet soufflé au fromage et s'écroule. Et donc je me suis dit il faut que je booste ma foi, il faut que je l'entretienne, il faut que je mette du carburant dans ce moteur. Donc la messie est au service de ma foi grâce aux 46 aumôneries qui sont réparties sur tous les campus, toutes les universités et écoles d'Île-de-France. Donc l'an prochain, quand vous serez dans un de ces lieux, eh bien, renseignez-vous sur une de ces aumôneries qui est là pour vous accompagner. Deuxième chose de la messie, c'est de vous proposer des engagements divers et variés dans toute l'Île-de-France. Facile de s'engager comme animateur dans ta paroisse, dans une maraude. Qu'est-ce que c'est qu'une maraude? Eh bien, c'est d'aller visiter les personnes de la rue, des SDF. Facile aussi avec la messie de s'engager comme bénévole dans une association pour aller visiter des personnes âgées dans les maisons de retraite, dans des hôpitaux ou des plus jeunes dans le scoutisme, par exemple. Donc la messie, elle a cette chance de coordonner tous les pôles jeunes des 8 diocèses d'Île-de-France et de vous envoyer toutes les informations. Et puis troisième chose qu'organise la messie, eh bien, c'est des grands rassemblements comme la messe des étudiants. L'an prochain, je vous invite tous, 19 octobre 2023 à Saint-Sulpice. On sera 3 ou 4 000 dans cette église pour célébrer ensemble le Seigneur comme on le fait en fait au frat. Et puis il y a d'autres rassemblements dans l'année et il y a d'autres préparations au sacrement. Merci. Donc si je comprends bien, en fait, tout ne s'arrête pas après la terminale, quoi. Surtout pas. Après la terminale, la vie avec le Christ continue et il est bon de s'engager au service de la société, de l'Église et de nos amis. Donc ce qui veut dire, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a des aumôneries étudiantes partout en Île-de-France. Donc où qu'on soit, quelles que soient les études qu'on fasse, tout ça, en fait, on trouve un lieu pour continuer à vivre sa foi entre chrétiens. C'est exactement ça. Que je sois à l'université, que je sois en prépa, que je sois dans une école d'ingénieur, de commerce, quel que soit mon cursus, eh bien, je peux trouver un lieu, une communauté où je peux continuer à nourrir ma foi et à m'engager. Donc c'est des lieux de vie où il est bon de se rassembler, où on peut avoir des repas ensemble, des moments festifs, des temps de formation, on peut se soutenir les uns les autres parce que la vie étudiante, ce n'est pas toujours facile. Il y a plein de bons plans qui sont donnés. Toutes ces informations, c'est hyper simple. Soit vous venez nous voir à la Frat Avenue parce qu'on sera heureux de vous accueillir,
soit vous n'avez pas le temps ou vous voulez retrouver toutes les informations, il y a un site internet qui résume tout ça, c'est meci.org, M-E-C-I. C'est facile. Facile. Meci.org. Voilà. Vous ne gourrez pas avec le joueur de foot, tout ça. Et ça, c'est pour faire semblant d'être au courant, parce qu'en vrai, je ne connais pas du tout le football. Du coup, la question qui se pose pour nous maintenant, c'est quel est l'engagement que je vais prendre ? Voilà, c'est pas, ok, je sais qu'il y a plein de possibilités, je sais qu'il y a un réseau, je sais que je vais être aidé, je sais que je vais pouvoir en rencontrer, mais qu'est-ce que je vais choisir, moi ? Et donc, est-ce que tu aurais, voilà, je sais pas, tu es en terminale, est-ce que tu aurais des critères à proposer pour te dire, voilà, avec ça, je vais arriver à choisir ? Oui, c'est évident que la priorité, ça reste quand même les études, même si c'est pas toujours facile, et qu'on n'aura pas forcément le même temps les uns les autres à consacrer à une association ou à un engagement. Donc le premier critère, c'est de combien de temps je dispose. Si je suis en prépa, ben, c'est évident que je n'ai pas le même de temps que si je suis à l'université. Donc est-ce que je veux un engagement toutes les semaines, par exemple pour faire l'aumônerie aux plus jeunes dans ma paroisse ? Est-ce que je veux un engagement qui soit annuel, par exemple le FRAT ? Est-ce que je veux un engagement qui soit plutôt mensuel, par exemple accompagner des jeunes handicapés chaque week-end ou une fois par mois, un week-end, pour qu'ils puissent se changer les idées. Donc, premier critère, c'est le temps. Combien de temps je veux consacrer aux autres. Deuxième critère, c'est pour qui je veux m'engager. Peut-être qu'on est plus à l'aise avec des plus jeunes. Donc, je peux devenir chef scout. Je peux devenir animateur de mon aumônerie. Peut-être que je préfère m'engager avec des sans domicile fixe. Donc, faire une maraude. Oser aller rencontrer ces personnes de la rue que je connais sans trop les connaître. Et donc, je me dis, bah tiens, je vais essayer d'aller les rejoindre. Peut-être que je veux m'engager auprès de malades dans les hôpitaux. Peut-être que je veux m'engager auprès de personnes âgées. Voilà, il y a plein de publics différents. Troisième question, c'est avec qui ? Avec qui je veux m'engager ? Est-ce que je veux m'engager seul ? Est-ce que je veux m'engager avec des amis ? Par exemple, avec mon groupe scout, mon équipe de scout. Est-ce que je veux m'engager avec des amis que je me serais fait à l'aumônerie ? Est-ce que je veux m'engager en famille ? Est-ce que je veux m'engager avec mon cursus universitaire, etc. Et puis, dernier critère, c'est où ? Où est-ce que je veux m'engager ? Est-ce que je veux m'engager dans mon quartier ? Parce qu'il y a une association qui fait du soutien scolaire. Est-ce que je veux m'engager dans le FRAT ? Parce que voilà, l'Île-de-France, ils ont besoin aussi de jeunes qui s'engagent. Est-ce que je veux m'engager dans mon aumônerie, dans ma paroisse ? Donc voilà, donc quatre critères. Qui, pour qui, avec qui et où ? Ouais, ça dépote, hein. C'est hyper simple. Donc on va réessayer ensemble les critères. Qui avec qui, pour qui, où. Et où ? Vas-y, on se le refait une fois parce que moi, je n'ai pas retenu. Qui ? Quand ? Pardon. Ah oui, quand ? Ah ouais, non, mais voilà, mais je suis un boulet, moi. Quand, avec qui, pour qui et où. Ouais, ok. Donc ça, je vais essayer de retenir au moins jusque à la fiche suivante. Ok. On va essayer d'appliquer ces critères. Mais là, je sens que ça commence à roupiller ferme. Donc, on va se faire un petit assis debout. Alors, attendez, je vous explique. Je vais appeler mes amis de Be Witness, là, ceux qui ont envie de venir. Si vous avez envie de vous chauffer un petit peu les jambes. Ah, ils sont sympas. Ok. Le concept est très simple. Vous avez une petite question et vous y répondez en vous mettant assis ou debout. Vous allez voir, normalement, ils arrivent à le faire en silence. Première question, plutôt assis ou plutôt debout ? Ah, on n'a plus d'écran. Ok, non, j'étais là. Alors, plutôt... Donc, c'est sans écran. Plutôt debout ou plutôt assis ? Plutôt debout. Ah, un qui est plutôt assis pour écouter la parole de Dieu. Deux qui sont plutôt debout pour louer le Seigneur. Ok, très bien, on a compris. Plutôt thé ou café ? Thé ou café ? Ah, on a des gros buveurs de thé. Non, de café, ouais, du café pour tenir. Ouais. Plutôt... piano ou guitare ? Allez. Plutôt action ou réaction ? Ah ouais. Ah là là, ça c'était l'option médium. Ok, ça marche aussi. Plutôt chanter sous la douche ou chanter sur scène ? Un peu les deux, hein. Ouais. Ça chante tout le temps, quoi. Ok, bon, vous avez compris le
principe, merci pour cette mise en jeu. Donc, pour que ça s'enchaîne, vous avez bien compris, pour qu'il y ait un petit rythme, il faut que je puisse enchaîner. Pour que je puisse enchaîner, il faut qu'on reste silencieux. Vous êtes prêts ? Vous êtes sur vos jambes. Ok. Si tout le monde répond assis à toutes les réponses, ça, je saurais bien que c'est que vous avez envie de glander. Hein. Alors, on va commencer par se mettre debout, c'est plus simple. Voilà. Alors, on est parti. Plutôt, attention subtile la première, plutôt assis ou plutôt debout. Ok, on enchaîne. Plutôt coucher tard ou coucher tôt. Ouais, ça se couche tard massivement. Ok. Alors, plutôt pain au chocolat ou chocolatine ? Ça, j'aime bien. Là, on est en Île-de-France. Ouais, c'est bon. Attention, question subtile. Plutôt le Wi-Fi ou la Wi-Fi ? Ouais, ça, j'ai jamais compris. Il y a des gens qui parlent de la Wi-Fi. Ouais. Plutôt jean ou plutôt jogging ? Ok. Attention, celle-là est subtile. Alors, il y en a, ils se relèvent même plus. Genre, ils ont la flemme. Plutôt pizza ou plutôt burger ? Ah ouais ? Ah, c'est marrant. Attention, je donne une petite information avant de poser la question. Pour information, je suis le prêtre accompagnateur du frat de Jambeville. C'est pas moi qui ai posé les questions. C'est pour ça qu'avant, je donne des trucs. Si vous voulez mettre de bonne humeur, vous réfléchissez un peu. Plutôt frat de Lourdes ou frat de Jambeville ? Ah, oh, vous êtes des chacos. Ah, oh, bon, bah, je me barre. J'ai terminé. Ok. Plutôt douche le matin ou douche le soir ? Les deux. Ah, ça se douche beaucoup ici. Ok. Alors, vous avez compris le concept. On va passer, après cette petite mise en jambe, aux vraies questions qui nous concernent. Les questions sur l'engagement. Si vous décidez de vous engager, c'est plutôt après les cours ou le week-end. Cécile, j'ai vu que tu boyais. Hein. Cécile, elle a faim. Ok. Alors, avec mes scouts, là où j'étais en paroisse avant, on faisait des opérations de cleaning. Je ne sais plus comment ça s'appelle, là, c'est un truc, ouais, j'en ai une là. Et donc, est-ce que vous préféreriez plutôt nettoyer la forêt ou la plage ? Ok. Est-ce que vous préférez vous mettre au service de gens plus âgés ou de gens plus jeunes ? Ok. Est-ce que vous préférez vivre un engagement tout seul ou en équipe ? Est-ce que vous préférez donner ou est-ce que vous pensez pouvoir donner du temps ? Plutôt une fois par mois ou une fois par semaine.
Ok. Spontanément comme ça, est-ce que vous iriez plutôt au scout ou à l'aumônerie? Il y en a. Est-ce que spontanément, vous aideriez plutôt vos voisins ou vos amis? Est-ce que... Vous pensez qu'il vaut mieux s'engager localement ou à l'étranger? Donc, plutôt massivement, localement. Et je crois qu'il y a du bon et du bien à faire autour de nous. C'était tous les exemples que nous donnait le père Cyril. Et vous avez entendu Mgr Gobillard qui disait « C'est plus courageux d'aider sa voisine de palier, de faire des petites choses au quotidien, mais régulièrement et fidèlement, que d'aller sauver le monde à l'autre bout de la planète. » La messe, plutôt le samedi soir ou le dimanche soir, ou le dimanche matin. Alors, l'option pas de messe du tout, je la propose pas, hein, vous avez bien compris. Chacun son business. Alors, je vais demander au père Cyril quelques mots pour, vous voyez, conclure, reprendre ce qu'on a vu ensemble là. Je dirais simplement que l'engagement, ça peut faire peur et c'est normal. Mais je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 2 ans dans la paroisse où j'étais. Donc c'était au moment de la maraude. Donc la maraude, je ne sais pas si tout le monde connaît, il s'agit d'aller visiter des personnes de la rue, des SDF, de leur proposer un café, un thé, de discuter avec eux. Et puis il y avait une jeune, justement, à une terminale qui était là, qui était venue avec quelques filles de son lycée. Et puis à un moment, on va voir un premier SDF. Puis on va en voir un deuxième, et puis pendant qu'on fait le trajet entre les deux, on discute, ça faisait déjà 2-3 fois qu'elle venait à la maraude. Et je lui demande, mais pourquoi tu viens? Et elle me dit, mais parce que moi je suis une timide, j'arrive pas à parler. Et je sens qu'en fait ces personnes de la rue, ces SDF, eh bien ils m'aident à parler et à ne plus avoir peur. Ça m'a scotché parce qu'en fait j'ai compris que eh bien, l'engagement que vivait cette fille, c'était en train aussi de la guérir, de l'aider à mieux se connaître et à se découvrir. Et donc, si toi, tu as des peurs, si toi, tu as des craintes, eh bien, l'engagement, en fait, peut t'aider à avancer, peut t'aider à dépasser les peurs que tu as. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire à partir de cette petite anecdote. Et pour la résumer, c'est une phrase que j'avais entendue de la part d'un prêtre. En fait, faire du bien nous fait du bien. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est vrai. Et bien souvent, on ne va pas bien dans notre vie. On est un peu triste parce qu'on est un peu replié sur soi. Et aller vers les autres, oser aller se donner du temps, de l'énergie à des personnes qui sont malades, à des enfants, à des scouts, à des frateux, etc. En fait, ça nous sort de nous-mêmes et ça nous guérit de notre isolement et de notre tristesse. Donc faire du bien autour de nous, ça nous fait du bien aussi. Merci, Père Cyril. On retiendra cette phrase. Et comme vous êtes debout, eh ben, je vous propose de chanter, de louer ensemble pour que, effectivement, ce soit le Seigneur qui vienne nous éclairer dans ses choix et ses engagements que nous allons prendre. Allez, on y va avec le chant « Pour toi, nos vies se lèvent ». On va le déclarer ensemble. Quand je regarde au loin. Quand je regarde au loin que j'aperçois l'océan, sa beauté me rappelle que tu m'aimes intensément. Tu nous offres un précieux trésor, en nous confiant cette terre, un paradis dans l'univers. Quand je regarde au ciel que j'aperçois ton soleil, sa lumière qui m'éclaire et sa chaleur qui m'éveille. Tout a été décidé par ta volonté, ô quel Dieu merveilleux tu es. Pour toi, pour toi.
toi nos vies se lèvent. Dieu créateur, sur la terre comme au ciel, tu es Seigneur, tu as fait des merveilles. Au-delà de nos peurs, ton royaume est déjà dans tout le monde. Pour toi nos vies se lèvent. Du jour et jusqu'à la nuit tombée, entouré de tes dons, ébloui par tes bontés. Ma confiance est dans tes voix, toi mon créateur, celui qui a tissé mon cœur. Chaque jour de ma vie, je veux faire ta volonté, poursuivre ta justice et chercher ta vérité. Tu m'aimes comme un père, ma vie est dans tes mains. De toi je ne manque que tous ensemble. Pour toi nos vies se lèvent, Dieu créateur, sur la terre comme au ciel, tu es Seigneur, tu as fait des merveilles. Au-delà de nos peurs, ton royaume est déjà. Allez, on veut vous entendre les terminales. Pour toi nos vies se lèvent, Dieu créateur, sur la terre comme au ciel, tu es Seigneur, tu as fait des merveilles. Au-delà de nos peurs, ton royaume est déjà avec toute nos foi. Pour toi nos vies se lèvent, oh, 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 oh. Tout le monde pour on danse, hey. Oh, 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 oh. Pour toi nos vies se lèvent, oh, 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 oh. Ton royaume est on y va, let's go tout le monde. Pour toi nos vies se lèvent, je crée. Sur la terre comme au ciel, tu es Seigneur, tu as fait des merveilles. Ton royaume est déjà dans avec ton cœur. Pour toi nos vies se lèvent. Alléluia. Nos vies se lèvent et vous êtes debout. Et ça c'est bien. Vous avez reçu où c'est en train de passer un petit autocollant. Qui a reçu son autocollant? Ok. Envoyez-moi. Je l'ai déjà mis sur mon téléphone pour y penser. Même si je ne suis pas en terminale. Je ne sais pas si vous imaginez la force de frappe là. On est 1500. S'il y a 1500 terminales qui s'engagent. Vous vous rendez compte de ça ou pas? La puissance que vous avez. Et donc, retenez cela. Je vous invite à une chose, c'est à vous engager. Et retenez, si vous ne le choisissez pas, il ne se passera rien. Et donc, décidez de ce que vous voulez vivre, décidez de votre vie, décidez des engagements que vous allez prendre. Vous avez eu l'exemple de la Messie. Voilà, pour dire, ben en fait, il y a plein de moyens pour vous aider à choisir. Et donc, prenez le temps d'aller, de passer à Frat Avenue avant la fin du Frat pour rencontrer ceux qui vous y attendent. À l'invitation des Suites Blancs, après avoir conclu ce temps des terminales, chut, allô, 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 à l'invitation des Suites Blancs, nous sortirons tous par la rampe Masno, donc vous vous laissez guider, vous retrouvez vos animateurs pour le temps du déjeuner. Les groupes se sont organisés différemment et nous chantons, si vous avez encore un peu d'énergie. Ceux qui sont fatigués, vous êtes fatigués. Alors montrez-le nous, on va sauter comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Le feu de ton esprit vient embraser mon être. À l'écho de mon cri, tu t'es penché sur ma vie. Sans toi je n'étais rien, tu avais ma détresse. Aujourd'hui je le crois, oui c'est mon saut dans la tourmente.
Ma vie désormais, c'est de te louer. On y va. Oh, 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 oh. Car tu es tout pour moi, secours et ma joie. Oh, 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 oh. Je veux quitter ce qui m'éloigne de toi. M'abandonner à ton plan d'amour pour moi. Ma vie désormais, c'est de te louer. Est-ce que vous êtes prêts? Désormais, c'est de te louer. Mes doutes transformés en promesses éternelles. Mon regard a changé, je peux percevoir le ciel. Tout ce que je cherchais dans ce monde sans cesse, je l'ai trouvé en toi. Oui, c'est mon saut dans la foi. Ma vie désormais, c'est de te louer. C'est à vous. Oh, 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 oh. Car tu es tout pour moi, mon secours et ma joie. Oh, 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 oh. Je veux quitter, je veux quitter. Juste...